Le système de conduite sur Shadowlands introduit un maximum de personnalisation des personnages. Dans cette vidéo, on va expliquer ce système entièrement pour que tu comprennes tout à son fonctionnement. Pour cela, on va dans un premier temps voir globalement comment ça fonctionne le système de conduite. Ensuite, on va expliquer les systèmes de conduite de puissance, de finesse, d'endurance, les sockets que tu peux mettre dedans, pour en final arriver sur les liens d'âme, voir comment ça fonctionne, combien il y en a, comment on les change. À la fin de cette vidéo, tu comprendras absolument tout sur comment ça fonctionne et en plus, tu auras le lien d'un simulateur pour t'amuser toi-même à tester, voir ce qu'il y a de disponible pour ta classe. C'est parti! Donc pour le bien de cette vidéo, on utilise le simulateur fourni par WoWhead. Donc tu l'as en description, tu l'as en commentaire épinglé et voilà, tu l'as à deux endroits dans la vidéo, donc n'hésite pas à aller checker juste en dessous si tu veux l'utiliser toi-même. C'est parti! Voilà à quoi ressemblent les fameux conduits. Donc bah, c'est simplement c'est une branche de talent, c'est des talents, c'est pareil en fait, c'est comme les talents, non? Bah oui et non à la fois. Ce sont des talents propres aux congrégations, donc simplement où tu as un arbre et tu choisis entre gauche et droite, et ça te fait tes talents, ok? Donc tu choisis, et puis ça te fait une branche de talent, tu valides, et c'est bon, et voilà, c'est réglé. Bon ok, juste des talents, tu les actionnes, très bien. Mais non, parce que là où ça commence à se compliquer un petit peu, c'est que comme tu peux le voir, il y a des petits symboles. Il y a des petits symboles d'épée, de bouclier et d'éclair. Ça symbolise trois types de sockets différents. De sockets, un peu, voyez ça un peu comme les gemmes, si on veut, dans l'idée. Donc il y a trois types de sockets différents. Il y a les sockets de puissance, les sockets d'endurance et les sockets de finesse. Les sockets de finesse sont les sockets utilitaires. Je vais vous donner des exemples, vous en faites pas. Les sockets d'endurance sont les sockets tanky, et les sockets de puissance sont les sockets qui font les dégâts. Voilà, exactement, qui font les gros dégâts. Par exemple, on va se prendre dans le cas du chasseur de démons. Ok, donc on va tout reset et on va faire le cas d'un chasseur de démons. Donc là, on est sur un arbre qui permet de choisir ce qu'on veut. Donc on va choisir par exemple la première compétence qui nous intéresse. Je vais prendre ça. Ensuite, je choisis. Je choisis entre la finesse et la puissance. Bon, allez, je suis un chasseur de démons, je vais prendre la puissance. Là, directement, j'ai plein d'options. Ça, en fait, ce sont des options où vous pouvez mettre avec vos propres sockets que vous avez débloqués. Pour débloquer des sockets, c'est super simple, il suffit de faire du contenu haut niveau. C'est-à-dire vous pouvez faire du PVP, que ce soit du BG, des arènes, peu importe. Vous pouvez faire des World Quest, donc les quêtes mondiales, les quêtes qui sont un peu disponibles partout. Vous pouvez faire du donjon, vous pouvez faire du raid, c'est disponible dans n'importe quel mode de jeu. Évidemment, suivant la difficulté dans laquelle vous faites, vous aurez plus ou moins un gros level. Comme vous pouvez le voir là, par exemple, sur Growing Inferno, qui est une des types... qui est une des conduites de puissance du chasseur de démons, il y a au total 15 rangs. Et du coup, plus le rang est haut, plus la socket est forte, ok? Donc là, on va prendre par exemple dans le cas où on va dire qu'on a un rang 15 sur Growing Inferno. Donc on a la meilleure socket possible, on va la mettre. Si je décide de la mettre dessus, donc là, j'aurai des armées quand mon chasseur de démons, quand il fera une aura d'immolation, les dégâts sont augmentés de 25% à chaque fois qu'elle fait des dégâts. Voilà, vous dites putain c'est déjà pas mal, il y a des trucs sympas et effectivement il y a des trucs super sympas mais ça je te laisserai découvrir. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup une fois que j'ai utilisé ma socket je l'ai toujours, c'est exactement comme les essences d'Azerith. C'est à dire qu'une fois que tu les as débloquées, elles sont débloquées indéfiniment sur ton personnage. Tu ne les consommes pas en les utilisant, si je décide de réinitialiser, de les appliquer sur une autre page je l'aurai toujours. C'est pas un truc qui se consomme, c'est un truc que tu le débloques et tu peux l'utiliser exactement comme les essences d'Azerith. Sur BFA 8.3. Maintenant, du coup, on a la même chose avec des trucs tanky et des trucs utilitaires. Pour vous donner un exemple, sur les trucs utilitaires, si je décidais de ne pas prendre ça, je décide de refaire, que je décide de reprendre mon truc, mais que je vais aller sur le truc utilitaire, par exemple, j'ai un truc qui dit que ma vitesse de déplacement, elle est augmentée après avoir fait un dash. Bah oui, c'est exactement ce dont on a besoin en chasseur de démons, ça tombe bien. Bref, je peux augmenter ma vitesse de déplacement après avoir fait un dash, par exemple, si j'ai envie de prendre ça. Ensuite, du coup, une fois que tu as choisi tes trucs, tu avances dans ton arbre de talent, donc on va dire, je prends ça. Tu choisis là, par exemple, un truc tanky, peu importe. Ensuite, tu peux re-choisir d'aller où tu veux. Là, par exemple, vu qu'on a un chasseur de démons, on va plutôt aller vers la puissance, on reprend la puissance. Là, on a vraiment le choix entre deux trucs, sans que ce soit impacté par les runes. Donc, on va prendre, par exemple, celui de gauche et celui-là, et ça nous fait un conduit de validé avec des runes de mise dedans. Donc là, on a déjà vu les deux premiers points, les trucs, les deux premiers trucs à savoir. Il y a trois trucs à savoir. Il y a les conduits, les sockets, les liens d'âme. Du coup, on arrive au lien d'âme, exactement. Donc, les liens d'âme, c'est le personnage que vous choisissez ici. Par exemple, ici, mon lien d'âme, il est avec Corain des Nightfee, donc des fées de la nuit. Il est possible de choisir parmi trois liens d'âme différents.
Les liens d'âme, au début, tu en as qu'un. Tu as que le premier. Tu auras par exemple que Nia, si tu es une Nightfee. Et tu les débloques au fur et à mesure de l'aventure de la campagne de la congrégation. Donc au début, tu en as qu'un. Après, tu en as plusieurs. Les autres ne sont pas meilleurs. Ils sont différents. C'est-à-dire que potentiellement, ce qui sera le plus opti pour toi, ça sera toujours le premier. Tu as débloqué les autres, ils ne te serviront pas. C'est possible. Mais potentiellement, ça sera le troisième qui sera vachement bien. Et potentiellement, il sera vachement bien, mais que un mythique plus. Dans le reste des modes, il sera claqué. C'est une possibilité. Donc en fait, tu as débloqué des liens d'âme qui te permettent de faire différents arbres de talent. Il est possible, du coup, d'avoir au maximum 3 liens d'âme par congrégation. Sachant qu'il y a 4 congrégations, ça fait 12 tâches différentes possibles d'être construites. Sauf qu'évidemment, tu ne peux avoir qu'une congrégation à la fois, donc il faut prendre la bonne en fonction de ça également. Il n'y a pas qu'une notion de pouvoir de congrégation, pas qu'une notion de pouvoir de classe de congrégation, mais il y a du coup également une notion de conduite, de lien d'âme. Outre les pouvoirs qui sont disponibles, du coup, ce qui est intéressant, souvent, par exemple en tant que DPS, c'est est-ce que je peux mettre 3 runes de puissance dedans, 3 sockets de puissance, 3 conduites de puissance. Là, par exemple, dans ce cas-là, je peux avec elle. Je peux avec lui, je peux... Avec le dernier également. Mais par exemple, il y en a d'autres où ce n'est pas possible. Chez les Kyrians, tu prends Cléa, qui est la deuxième, que tu débloques assez rapidement. Tu ne peux pas mettre 2 conduits de puissance. Donc tu es obligé de mettre un conduit de puissance là, un conduit de puissance là, mais derrière, tu ne peux pas en mettre plus. Tu ne peux en mettre que 2. Par contre, niveau tankiness, tu peux en mettre 3 tanks. 3 tanks. Et clairement, c'est pas tout ce qui permet ça. Donc voilà, il y avait suivant l'aspect sur ce que tu vas décider de jouer, il y a des trucs qui seront forcément plus badass que d'autres. Pour les changer, parce que c'est très intéressant comme question, n'est-ce pas? Pour les changer, donc pour changer cet arbre-là, il faut aller au niveau du sanctuaire de votre congrégation et cliquer sur votre forge des âmes. C'est l'endroit-là où vous décidez de choisir ce que vous mettez dedans. Donc simplement, vous allez à cet endroit-là, exactement comme sur ce petit clip-là qui affiche à côté de moi, vous allez au niveau de votre forge des âmes et vous pouvez le changer. Concernant le fait de changer l'âme avec laquelle vous êtes lié, ça, vous pouvez le faire simplement en zone de repos ou en utilisant un tome de l'esprit. Donc c'est possible de le faire de quasiment partout au final, exactement comme si on voulait échanger des essences d'Azerite. Le lien d'âme, ça change super facilement, donc il est très possible de dire « Tiens, j'ai 2-3 liens d'âme, il y en a un, il va me servir pour le PVP, il y en a un autre, il va me servir pour le Mythique Plus, il y en a un autre, il va me servir pour le Raid. » C'est complètement possible. Ou alors, simplement, il y en a un, il va vous servir pour votre pétanque, il y en a un autre, il va servir pour l'aspect DPS. Enfin, vous voyez, il y a un nombre de possibilités qui est déjà assez hallucinant. Si tu as envie de voir un peu comment ça fonctionne, le plus simple, c'est de finir vite fait cette vidéo, et dans une minute, tu vas choper le lien en dessous, tu cliques et tu regardes. Je vais faire des vidéos pour expliquer chaque conduit de chaque classe, quels sont les trucs qui sont bien, avec quoi ça synergise, avec quel légendaire, avec quel talent. Mais en attendant, si tu as envie de savoir ce qui se passe sur ta classe, par exemple, tu as envie de savoir quels sont les trucs qui font des dégâts en chasseur de démons. Ok, t'en choisis un, je dis ça, t'en fous. Et ensuite, tu as juste à aller sur ce site, tu parcours, tu regardes, et tu vois, effectivement, ma danse de l'âme, elle a 5% de chance d'appliquer Essence Brick. Essence Brick, c'est le debuff qui était possible d'être pris dans une des dernières lignes de talent du Demon Hunter sur PFA 8.3, qui applique 40% de dégâts supplémentaires sur la frappe du chaos sur la cible. Il a été revu pour également appliquer 40% de dégâts supplémentaires sur la danse des lames. Et du coup, là, ta danse des lames, elle a la chance d'appliquer ça qui augmente de 40% les dégâts de ta danse des lames, de ta frappe du chaos sur la cible. Ah, il y a des trucs sympas. Il y a des trucs extrêmement sympas pour toutes les classes. Alors, tout n'est pas encore bien sorti. Il y a des trucs qui vont être un petit peu modifiés. Évidemment, le jeu évolue. Mais en attendant, tu peux déjà te faire une excellente idée de ce que ça donne en allant directement sur le lien. Ce qui m'amène à aller conclure rapidement la vidéo, que tu ne perds pas plus de temps que ça. Donc du coup, dans cette vidéo, on a eu l'occasion de voir les conduits, comment ça fonctionne, les liens d'âme, comment ça fonctionne, les runes, comment ça fonctionne, et comment on change tout ça. Si tu as encore des questions, si tu as encore des trucs qui sont nébuleux, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Tu seras probablement pas le seul à te poser cette question, ça risque d'aider d'autres personnes, donc n'hésite pas. Le plus important cependant, c'est que tu partages la vidéo. Il y a un bouton partager en dessous sur YouTube, tu cliques dessus, et bim, tu balances à tous tes réseaux, parce que ça va servir à des personnes, et t'as envie de rendre service à des gens, et ça c'est cool. Tu mets également un gros pouce bleu, parce que tu es quelqu'un de bien, voilà, simplement. Et tu n'hésites pas à mettre un petit commentaire, me dire si tu as apprécié ou effectivement me poser tes questions. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.